La Cour de justice de l'Union européenne inflige un camouflet aux banques espagnoles. L'institution basée au Luxembourg leur intime de rembourser 4 milliards d'euros d'intérêts abusifs sur des prêts immobiliers. Sa décision porte sur les abus antérieurs à mai 2013, date à laquelle le tribunal suprême espagnol avait annulé les clauses planchers sur les prêts à taux d'intérêt variable. Ces clauses permettaient aux banques de ne pas réduire le taux appliqué en dessous d'un certain seuil, et ce, même si les taux de référence continuaient à baisser. Dans les années 2000, les banques ont contribué à la formation d'une bulle immobilière en Espagne en accordant énormément de crédits. L'éclatement de cette bulle spéculative en 2008 a plongé le pays dans la crise économique. De nombreuses familles surendettées ont été expulsées de leur logement. Les banques, elles, ont accumulé des actifs immobiliers toxiques dont elles se sont en partie débarrassées grâce à une structure de défaisance publique.